Est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait 8 ans qu'on est là, il vient de rater 8 ans d'école. Petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, Ménard. Eh, vous êtes vraiment marrants, les gars. Tout le monde y sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous ramener chez nous. Mais Bud, Ethno est l'exception qui confirme la règle. Car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel tes talents prennent leur envol. Et tes dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs. N'en veux pas des copains, parce que moi je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours, mais dormir. Non mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, bah tu n'iras pas tout seul. Oh, comme c'est gentil de ta part, Ethno. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud. Nous allons y aller tous les quatre. Quoi? Mais ça va pas, la tête, hein? Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8 h. Ça pèse des tonnes. Institutrice, nous sommes, je pense, ce qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Ouch! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard, est-ce que je me fais bien comprendre? Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour faire mes devoirs. J'en ai un vert pour souligner. Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fautes. Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre. Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes? Moi, madame, moi! Il y a une infinité de planètes habitées, mais je me contenterai de citer Mipsorp, Trizoum, Ougmazinoun, la
minuscule mais très accueillante Tagazumaga, la belle Zazom et ses halos d'ammoniac parfumé, et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B. Et ça fera 2 heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé. Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de soissons? Alors, qui le sait? Qui le sait? On t'écoute, Gordius. Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure. C'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de soissons, c'était celui de Candy. Le vase de soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis vers 486. Blablabla. Un peu d'arithmétique, le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5, toi, la nouvelle? C'est moi, si, alors c'est... c'est à la fois, et alors après... On ne va pas y passer la journée. Non, mais c'est parce que j'hésite entre 2 bonnes réponses. Psst, t'as qu'à compter sur tes doigts. Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame. 2 et 2 heures de retenue avec 2 marches sur table. En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bud? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de tolérance à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? Mais je l'ai entendu hier au Super Mérovingien Show, une série télé trop fandarde. Attendez-moi, je suis coincé, les ligues! J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Oui? Pas si vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvagerons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je t'ai à l'œil et que mon œil ne fait pas de... Pourquoi elle m'en veut? Cantoche! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquette de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée procure de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille d'idées. Eh bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu me faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman en maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. Gorgios, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Ouais, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs 4 heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encore-toi! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades. Techno! Excuse-la, elle est un peu rustre, mais elle a bon cœur. Maîtresse au secours! Allez, c'est l'heure d'aller mettre la viande dans le torchon. Oublie pas de l'état de la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. J'ai fini. Et au dodo maintenant. Dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hé, hey, les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes, en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire? Ethno, la maîtresse, elle a raison, t'es que un chauvazou. L'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez les gars, pas de quartier. On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons.
bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons pourris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météore gros comme deux fois la Lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne, sauf qui peut. Oh, mais qui peut nous sauver? Oh, alarme, alarme, alarme. Ne vous inquiétez pas, madame, Super Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Brave Super Ethno, à présent nos vies ne dépendent que de vous. Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles, car d'un index salvateur, j'efface la menace Ethno. Il a réussi! Vous êtes mon héros! Comme si ça ne suffisait pas, il rêvasse pendant les cours maintenant. Ça lui fera 6 heures de colle. 6! C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est, nous sommes libérés, l'école est finie. Vive les vacances. Tu sais, Ethno, il vaut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de Soissons. Allez. Et voilà. Le boulon numéro 197.283.710 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole, mais zibre, ça c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table? Aurais-je oublié un boulon? Oh non, je sais, ce boulon était destiné à fixer le pont d'échappement. Pourquoi dès qu'on construit quelque chose, y a-t-il toujours une pièce manquante? Et voilà comment un pot a raison d'un génie. Je suis épuisé, moi, et tous les magasins sont fermés. Oh bah, comme on dit, demain, il fera jour. Peux-tu éteindre cette télé? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. C'est top. Excuse-moi, Bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour toujours. J'ai faim. On casse la dalle. Tchoum. Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hey, les mecs, matez le jackpot. On ne touche pas à mes saucisses. C'est assez chaud. Tu veux que je libère les feux de l'enfer? Que ce soit à pied ou à cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Alors, la manufacture de pipes et cycles de Saint-Crépin? Comment? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans? Ah, c'est contrariant. Alors, le paradis du bricoleur, j'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX-118. Ça ne se fabrique plus depuis des années? Bien, bien. Bonjour, je cherche deux pots d'échappement THX-118 et...
Ah, vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de peaux d'échappe montée à CX-78. Vous venez de les vendre? Quoi? Je crois que je vais devenir fou. Ça suffit, nous ne voyons pas, j'ai du boulot. Éteins-moi cette télé. C'est pas moi, c'est les motos des bikers. Tiens, 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 mais qu'est-ce que je vois là? Nous sommes sauvés. La Providence nous envoie les peaux grâces auxquelles nous allons nous envoler. Et dire que certains auront presque douté de moi jusqu'au bout. Mais je mets ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux et je te pardonne. Mes amis Taillot, opération SMTV. On les infiltre, on se serre et on s'en va. Ok, les gars, soyez sauvages. Aïe, j'espère que t'es sûr de ton traitement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher. Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne. Salut, amis bikers. Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus. Et les saucisses grillées sur le pot. Alors, on enroule du câble, bikers. Doudou, Jack, respire fort et calme-toi. Dégagez et allez au square avec vos patins à roulettes. Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin. Mais c'est fantastique, merci vieux. Je me sens comme guéri. C'est naturel, où irait-on si on ne s'entraînait plus entre motards? Mon zette, ce sont le sacré pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos. Eh oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non mais en fait, c'est que notre bikette charmante mais un peu timide essaie de vous faire comprendre, c'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre monde. Vroom, vroom. Hé, doucement mon gars. Ça se passe pas comme ça. Avant d'entrer dans notre bande, faut faire ses preuves, passer une sorte de bizutage. Bizu, bizu, bizu. La plus courte commence. J'en ai une, j'ai réussi. Cette paille est vraiment très très élégante. C'est du cèdre, je crois. Cedrus deodorum. Même pour des bikers, ces types sont bizarres. Je me demande bien d'où ils sortent. T'as tiré la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer. Allez, amène-toi. Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi. Tu fais durer la partie pour que j'aie le temps de démonter leur tuyau d'échappement. C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme, parce qu'elle a pas le bras dans la poche, la bête. Ok, on part à trois. Et un, deux, trois. Bikers pour toujours. Yeah. Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage. Amour, tu joues? Deuxième épreuve. Billard, on joue en citrouille, boule et freestyle. À qui le tour? Hey, je compte sur toi pour retenir son attention et moi je bricole les motos. Oh, moi je peux faire cette épreuve. Bikers pour toujours! Et le truc, c'est de mettre les babelles dans les trous-trous. Bon, eh bien, je crois que c'est à nous. Pardon, vous permettez, jeune homme? Pardon. Eh, c'est mon tour. Bon, si vous permettez, je passe au travers. Mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Ok, bon, c'est à nous, et voilà, voilà. Quel maladroit, je vous ai décoiffé. Oh, le joli œil que vous avez là. Oh, oh, oh.
Zibra, le zibra! J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. Chewing-gum! Il était assez collé sur le carrelage d'ici. Ok, fini les jeux de cours de récré. On passe aux choses sérieuses. Vous allez devant vous deux motos démontées. Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de 3 minutes. Ben, c'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant. On va faire ça dans le noir. Bravo, Gorgeous, tu as tout compris. Comme ça, on va embarquer les pots facilement. Et maintenant, que l'authentique biker gagne. Bien joué, Gorgeous. Où tu crois que t'emmènes ça? Mais Gorgeous, j'ai besoin de ces pièces pour la fusée. Elle abandonne ta fusée. Tu veux surtout que je passe pour un gros loser chez les motards. Et 3, 2, 1, 1, demi, fini. On a gagné, c'est nous qu'on a gagné. Youha! Pas mal. Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort. Sphère de la mort! Il se débrouille plutôt bien. Sphère de la mort, biker toujours. Ok les gars, ça c'est la piste, je la fais en prom, et vous, vous vous lancez après. Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume. On a le droit de retourner chez sa maman si on a les chocottes. 4-4-4-4-4, connard! On n'est pas des gigons gonflés, nous! Tu as réduit en miettes cette pure merveille technologique, Bud. Tu as cassé ma fusée. Oh! Aïe! Même pas mal. Aïe! Assis là quand même. Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin les yeux et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Oh, pas cool! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée en sauvage! Hey, moi, j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais! En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous possédons déjà la base dans la maison. Candy, va me chercher l'aspirateur. Bud, tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Et où on va? Je vois rien du tout. Ah oui, mais cognez le doigt du pied. Et les copains, quelqu'un pourrait m'enlever le truc, hein? Je suis cuit. La prochaine fois que je pars en randonnée, ce sera en voiture climatisée. Yeah. Je me brosserai les dents en rêve. Bonne nuit, les petits. Voilà. Et on se rend compte tout de suite que cette maison est faite pour vous. Alors, on y va. Bain. Cuisine. Très grand salon. Quelqu'un, réveillez-vous, hein? Cette maison élégante et fonctionnelle est située dans un environnement privilégié dont vous ne manquerez pas d'apprécier la tranquillité et le calme. Eh bien, tant mieux, parce que j'aurais rien contre passer une bonne nuit. J'ai pas fermé l'œil depuis 7 ans. Mais j'ai trouvé la solution. Le patch aux extraits de marmotte. Ce sera un grand plaisir de poursuivre cette conversation une prochaine fois. Ciao!
Oh, pourvu que ça marche cette fois. Je crois que vu l'état du bonhomme, nous pouvons tranquillement retourner nous coucher. Bonne nuit, les petits. 100, 99, 98, 97, 87, 95, 92, 80. Du calme, je crois bien qu'il dort. Il dort debout le gars, c'est poilant. Arrête! Mais tu n'es pas au courant. Il ne faut jamais réveiller un somnambule, ça peut le rendre très violent. Doudou. C'est quoi Doudou? Je ne veux pas être sa poupée. Je me sens pas prêt pour ça. Candy nous oblige encore à prendre des risques. On va te sauver, Candy. Compte sur nous. Enfin, je veux dire, compte sur nous pour être prudents. Alors, vous venez. Suffit d'avoir l'œil. Oui, bah nous, on cherche un pont. Eh bien, ça semble à notre portée, non? Patience, il va bien finir par se lasser. Non, ce n'est pas la bonne technique. Eureka, je sais. Ok, et un, et deux, et trois. Psss. Moi, j'ai un plan, et cette fois un bon. Excellent. C'est quoi ça? Mais voyons, c'est un doudou Candy. J'ai besoin d'aide. Venez. Prêt. Guili, guili. Guili, guili, guili. Go. Yes. Doudou. Ah,
tiens, tiens, c'est drôle, je me sens tout bizarre. Oh, c'est le matin, oh, ça veut dire que je viens de dormir pendant une nuit entière. Oh, j'ai dormi toute la nuit, je me sens un autre homme. Oh, mais... Oh, je suis de retour et ça va swinguer. Bonne nuit, les petits. Il nous reste toujours le plan B. Bonjour, jeune homme, pardonnez l'intrusion, mais est-ce vous qui dansez le cha-cha-cha? Et comment? Je peux vous inviter? Non, je regrette. En fait, vous êtes en train d'enfreindre la loi 10.18-63. On ne peut pas danser le cha-cha-cha dans ce quartier. Je suis de ceux qui respectent les lois. Et sur ce franc succès, sombrons dans les bras de Morphée. Vous violez présentement l'ordonnance 7286-82. Le bricolage est strictement interdit dans cette ville depuis le lundi jusqu'au dimanche. Et je suis de ceux qui respectent les lois, moi. Et cette fois, c'est la bonne. Oh, ils sont mignons, ces toutous-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mes patchs? Comment je fais pour m'endormir maintenant? Maintenant, répétez. Déjà le matin. Quelqu'un veut du café? J'ai pas de refus. Police, des aliens ont envahi ma maison. Venez vite, ils ont l'air particulièrement dangereux. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est un nouveau plan. Ils sont là-haut, ils sont hideux, il y a même un nain vert avec un slip. Nous allons vous demander d'évacuer la maison afin que nous puissions sécuriser la zone. Je dois évacuer la maison? Mais je ne peux pas quitter cette maison! Cette maison est le seul endroit où je sois arrivé à dormir depuis 7 ans! Si je pars d'ici, je ne dormirai plus jamais! Oh, mon doudou, il est revenu! Doudou a envie de faire un gros dodo! Vous savez pas quoi? J'étais en train de rêver à un nouveau plan. Allez, alors c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert? Yeah. Tu veux dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte? Du, du.
Voilà, et maintenant j'ai rendez-vous avec mon oreiller. Je suis crevé, moi. Et en route pour une longue nuit. Bonne nuit, les petits. J'ai déjà vu cet astéroïde. Je te dis qu'on tourne en rond depuis au moins un quart d'heure. Stéréo, tu es sûr de savoir lire une carte? Ben oui, on devrait tourner à gauche après le deuxième trou noir. Le doux parfum de cette barbade bien fraîche me rend dingue. Marre d'attendre ce pique-nique, je le mange tout de suite. Candy, pose-toi sur cet astéroïde, nous pique-niquerons là. J'ai plus de frein! C'est ça, ça répond pas! Je te signale que tu es en train de me piquer les fesses. Si j'en crois le guide, nous avons atterri sur la planète Terre. C'est une planète de la grande banlieue, la troisième à partir du Soleil. Elle est coincée entre Vénus et Mars et est habitée par une population de mammifères appelés des humains. Les humains? Oh! La damnation intergalactique! Les humains sont des géants d'au moins 6 mètres! Et ils se nourrissent exclusivement de chair d'extraterrestres! Oui, et à ce qu'on m'a dit, ils ont 4 doubles rangées de dents acérées comme des rasoirs! Oh. Ils vous piquent avec leurs griffes pleines de venin, et puis ils vous perforent le crâne et ils y pondent de grosses larves! Allons, du calme, voyons! Nous allons avoir sous peu un autre problème. D'ici quelques minutes, nous n'aurons plus d'oxygène! L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Oh, flûte! Si j'avais su, j'aurais emmené quelques animaux. Mais ils sont restés au labo. Où allons-nous trouver une forme de vie suffisamment basse pour l'exposer à une lente agonie en lui faisant respirer du gaz d'une grande toxicité? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ne vous en faites pas, il finira par respirer. Rien ici, je meurs de faim, moi. Regardez ce que je vois, des beignets au chocolat. Ils sont pas aussi gros que chez nous, mais ça fait rien, ça ira. Il suffit d'en prendre deux. Il faut que je surveille ma ligne de toute façon. Ouais. Où ça en est? Rien, cet andouille refuse de respirer. C'est bien lui ça, il pense toujours qu'à sa fraise. Bon, vous me prévenez s'il y a du changement. Moi je retourne au buffet. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre ici toute notre vie l'arrivée d'un vaisseau de secours. Personne chez nous ne peut savoir où on est. Nous sommes coincés sur cette fichue planète. Et pour rentrer, nous ne pouvons compter que sur nous. Selon la GAPPSSD, le guide de l'amateur des petits pique-niques spatiaux sans danger, lorsqu'on s'égare sur une planète inconnue, la règle numéro 1 est de chercher des formes de vie connues et de prendre contact. Voilà, allez, passe directement au chapitre qui explique comment on se nourrit. Mais comment on va trouver des formes de vie extraterrestres amies qui nous aideront? J'ai envie d'une orangeade. Je suis là, messieurs, hein? Candy prend les choses en main. Vous n'avez qu'à m'obéir et je serai votre chef. Notre chef? Je te suivrai même pas si tu tirais une côte de porc au bout d'une ficelle. Bon, une
côte de porc, je n'ai jamais fréquenté une côte de porc. Je leur parle même pas au porc. Non, mais tu t'es regardé, toi, t'es laid et tu louches. T'es bossu en plus, ouais, t'es bossu. Je devrais savoir que moi j'ai une colonne vertébrale irréprochable. Oh, c'est délire! Cette boîte magique, elle est pleine d'images en couleur. Il y a une créature orange, toute nue à la fenêtre, qui me regarde avec de drôles de yeux. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de dégénéré? Je viens en paix. Le chef de cette expédition, c'est moi! Non, c'est moi! Ah, taisez-vous, c'est un ordre! J'ai fait une rencontre du troisième type avec des humains. Ce que nous craignions se confirme. Les humains sont beaucoup trop dangereux. Nous devons à tout prix éviter de les rencontrer. Nous allons devoir utiliser la SMTV, je le crains. Elle est dans sa mallette en carbone Kevlar, anti-choc et indestructible. Tu crois qu'on va devoir s'en servir? Nul ne le sait. Oh, cool! Il y a toute une pile de ces boîtes magiques avec des petites images dedans. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ceci. Chérie, bébé pleure. Oh, voyons, trésor, c'est normal, ses couches sont toutes trempées. Oh là là, tu embaumes toute la maison, mon ange. Tiens, tiens, ça doit être ces monstres de foire évadés qu'on a signalés à la radio. Gentil, vous ne pas dévorer moi. Moi, avoir goût de, d'eau de vaisselle. Moi, avoir votre peau sur les os. Rien. Vite, cachons-nous là. Oh oui, ils ne penseront jamais à venir nous chercher ici. C'est un cimetière de vaisseaux spatiaux, on dirait. Ouais, ils sont tous bousillés. C'est bon pour la ferraille. Ces épaves sont dépassées depuis bien 50 siècles. C'est bizarre, ça sent... Vous trouvez pas, les gars? C'est comme une odeur de formol. Tous ces astronautes extraterrestres, ces grands explorateurs transformés en... cornichons d'apéritifs. Mamie! Oh, regardez, c'est super souris. C'est le héros de mon enfance. Les humains sont dangereux. Nous devons à tout prix les éviter. Ça ne fait plus aucun doute. Si jamais ils nous prennent, nous finirons en bocal au vinaigre. Ils feront des hors-d'œuvre de nos entrailles. Ils nous arracheront la peau pour en faire des couvertures. Ouais, ils vont nous dévorer avec un peu de moutarde et puis ils jetteront nos os à leur cleps. Ah, je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'on ferait bien de se tirer. Ça veut pas finir en boca. Oh, on est carrément bien ici. Et c'est ça que c'est confortable. Ouais, et c'est un peu comme les HLM qu'on trouve de part chez nous. Oh oui, quelques jolies nappes brodées, une fosse sceptique, c'est tout ce qu'on demande en fait. À avoir le confort, mon bébé. Je vous jure, laver son linge de couleur à l'eau chaude, on croit rêver. Et vous allez voir, on va rétrécir hein, de taille. Bah, c'est pas aussi bien qu'à la laverie, mais on pourrait faire quelques trous au mur, déchirer un peu les tapis, arranger quoi. Il y a peut-être une de ces boîtes à images animées qu'on pourrait regarder. Oh, pressez-vous de prendre une décision avant que je fasse une hypothermie. Bon, la maison a l'air déserte, en tout cas, parfait. Nous avons trouvé un endroit habitable où nous cacher le temps que les secours viennent nous chercher.
Ça peut prendre des années. D'ici là, on aura été découvert puis capturé par les humains. Ils vont nous débiter en tranches. On finira parmi les amuse-gueules entre les saucisses et les cacahuètes. Ah, vite, cachons-nous au grenier. Ça devient très dangereux ici. Heureusement que j'ai emporté la SMTV. Nous allons nous en servir tout de suite. Oh, t'es sûr? Moi, j'ai horreur de ce truc. Ça me donne des fourmis dans les doigts. Dites-moi, pas mécontent de vous voir, les gars. Paul et moi, on poursuivait une bande de ces dégénérés. Vous auriez pas vu un groupe à l'air louche grand comme ça dans le quartier? Si, nous les avons vus assez courts sur pattes avec des têtes de tueurs. Ils sont montés dans le bus pour les steppes du nord du Caucase. Et je vous remercie. Avec ça, je suis sûr qu'on va les retrouver. Cette SMTV sera un élément vital pendant notre séjour sur Terre. Désormais, plus personne ne devra sortir sans être transformé et déguisé. Grâce à cet émetteur radio de ma fabrication, nous allons envoyer un SOS. Vous verrez, nous aurons bientôt quitté cette planète de sauvages. Pizza Minute, bonjour. Le chronico plein d'acné à l'appareil. Qu'est-ce que ça sera? Oh, super. Ton engin porte tout juste jusqu'en bas de la rue. Ah! Ah, il est affreux, ce grenier. Il y a de la poussière et des toiles d'araignée en pagaille. Oh, on sera bien comme tout, vous verrez. Alors, il suffit d'un petit nettoyage, de quelques petits napperons. Alors, d'un évier, juste là où vous êtes. Hein? Oh, je verrais bien une belle statue grecque à côté de la cheminée, moi. Et regardez comme ce placard est grand. Oh, je sens que je pourrais vivre ici et ne plus jamais en ressortir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est bien. Il y a de quoi lire. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire? La cuisine des champignons ou la grande encyclopédie des parasites du tube digestif? Ah, c'était mon livre de chevet quand j'étais malade. Oh, oh, c'est trop cool. Ah, il y a même une boîte à images. Ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on est qu'à un bouton du Nirvana. Oh, j'adore ces émissions déjantées sur les sports de glisse. Bud, j'ai lu dans ce livre que les personnes qui abusent de la télé auront le cerveau tout parasité. Pourquoi il faudrait que je dorme? Je suis même pas fatigué. Chez nous, on dort pendant les éclipses solaires et encore quand on fait pas la bringue. Alors qu'est-ce qu'ils ont sur cette planète? Sur Terre, les humains doivent dormir toutes les nuits, 8 heures durant. C'est expliqué dans mon livre. Je me tue à vous dire que si nous voulons passer inaperçus, nous devrons suivre leurs coutumes. Pizza Minute, que puis-je pour vous? Bonsoir, ici Marco Polo. Allez, il me faudrait 15 pizzas panachées et saucisses de Morteau, Toulouse et Francfort. Et livrées au 768 rue du Chêne Blanc. Ok, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Laissez-y, veux. Ah, j'en ai déjà des brûlures d'estomac. Viens de ma chaîne. Va dans la salle de bain pour manger. C'est horrible quand tu manges. Tu fais des bruits dégoûtants.
Est-ce que par hasard tu n'aurais pas encore camouflé les micros dans les pizzas? Et ça là, ça ne serait pas un code secret extraterrestre en morse? Messieurs, l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons un enregistrement qui prouve leur existence. Nom d'une nébuleuse, d'où vient cette cacophonie? Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je zappe, je surfe sur les chaînes. Vous arrivez juste à l'heure pour Annabella et les beaux gosses. Sauvez-moi, les beaux gosses. Hein? Annabella? Ah, les beaux gosses, c'est les rois des sauveteurs. Intéressant. Ce théâtre radioactif de marionnettes nous donne le moyen de comprendre la condition humaine. Tu crois que notre vaisseau est toujours là? Sur la pile, là-haut. Oh, on a de la chance. Je crois qu'il est intact. Oh, les gars, je viens de retrouver mon bigoudi à ionisation thermonucléaire. Attention, Candy, redescends de là. Boudillou, voilà autre chose. Regarde, un peu qui est venu nous voir. Les beaux gosses, ils sont beaux, eh. Cette bande de gros frimeurs qu'on voit à la télévision? Ouais, c'est tout juste. Qu'est-ce que tu dirais si on allait voir si c'est des vrais ou si c'est de la gonflette, ça? Nous avons de nouvelles preuves que l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons leur vaisseau spatial. Oui. Et nous avons aussi une preuve photographique. C'est ici qu'ils se cachent. Aujourd'hui, c'est terminé. Profitez de vos derniers instants de liberté. Messieurs, nous vivons un moment historique. Cette racaille dégénérée sera arrêtée et mise en détention. Victoire, j'ai réussi. Notre nouveau vaisseau spatial est prêt. Je viens de le terminer. Je l'ai dessiné et j'ai tout créé dans les moindres détails. Oh, Ethno, tu es un génie! J'ai toujours dit que tu savais te servir de tes 8 doigts! Certainement, Candy. C'est un pur chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Je n'en suis pas peu fier. Donc, quand on voudra décoller, il suffira d'appuyer sur... Non! Seule douette suffirait bien. Comment on va rentrer chez nous maintenant? Oh non, ils nous attaquent. Un coup de missile! Oh non, oh quel dommage. Un vrai gâchis. Tout un camion de pizza fichu en l'air. Il précise un peu plus loin que la vache a 7 estomacs, plus que tout autre mammifère. Bah, tu parles, Gortius en a 16.
Hello, Pizza Minute. Ici Marco Polo. Je voudrais 15 pizzas avec supplément anchois et merguez. French kids out.